Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une intégrale un peu complexe, l'intégrale de x à la puissance 7 sur racine carrée d'un moins x4 dx. Il y a beaucoup de transformations à faire ici parce que si on la prend comme ça, on pourra pas s'en sortir. Donc, il faut trouver des voies et moyens de faire des transformations pour trouver nos intégrales habituelles. Et si on peut réécrire, on peut dire donc que intégrale de x à la puissance 7 sur racine carrée de m moins x4 dx est égale aussi à intégrale de x à la puissance 7 sur racine carrée de m moins x au carré dx, qui ressemble un peu à des chose que nous avons l'habitude de faire. On aura comme si x carré était une autre variable, on est en face de quelque chose qu'on peut résoudre. Et donc, si on observe un peu aussi le numérateur, on peut générer des facteurs de x carré d là-bas. Alors, on peut dire que x à la puissance 7 dx est égal à x à la puissance 6 fois x dx. Si vous voyez, donc, voyez là où je vais en venir. On a le x à la puissance 6, qui n'est autre que le x à la puissance x au carré au cube. Hein. Donc, si on pose que x au carré ici, qu'on voit ici, est sinistre de θ, on peut prendre la dérivée des deux membres. Hein. On peut dire que c'est 2x dx est égal à... Qu'est-ce qu'on dérive et si on dérive sinus θ, on trouvera cosinus θ dθ. Voilà. Jusqu'à présent, c'est bien... on s'est débarrassé de x carré, il faudra pas qu'on trouve de x ou de dx. Donc, on va parler maintenant du numérateur. Et, de facto, le x à la puissance 6, ce n'est que x au carré, au cube. Okay? Donc, cela veut dire que on est en face de sinus x élevé au cube. Sinus θ élevé au cube, du moins. On a changé de variable, donc on peut réécrire sinus cube theta. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus que le x dx au numérateur. Mais nous avions dit que 2x dx était égal à cosinus theta dθ. Donc, x dx n'est autre que cosinus theta dθ divisé par 2. Ok. Donc, la valeur de x à la puissance 7 dx va devenir sinus cube theta, qui est le x6, fois la moitié de cosinus theta dθ, qui deviendra x dx ici, non? Donc, un demi de cosinus theta dθ. Maintenant, notre intégrale s'est complètement transformé et on est en face de theta seulement, pas de x. Donc on a donc un demi de sinus cube theta, cosinus theta, dθ au numérateur et le dénominateur c'est un moins, c'est racine carrée de 1 moins x à la puissance 4 ou bien x au carré, ce n'est autre chose que la racine carrée de 1 moins sinus θ au carré ou sinus carré θ. Mais 1 moins sinus carré θ, vous savez que c'est cosinus carré θ. Donc, on a la racine carrée de cosinus carré θ qui n'est autre que cosinus θ. Voilà. Donc, on est en face d'une autre intégrale maintenant. On peut donc réécrire cette intégrale de x à la puissance 7 sur racine carrée de 1 moins x4 dx. Sous forme de θ, de sinus θ et de cosinus θ. Donc, on a intégrale de x à la puissance 7 dx
c'est racine carrée de m moins x4 qui devient n demi. Alors, qui devient n demi de l'intégrale de sinus au cube theta cosinus theta d theta sur cosinus theta. Maintenant, on peut simplifier cosinus theta par cosinus theta, hein. Donc, on aura donc n demi, comme résultat, on aura n demi de l'intégrale de sinus cube theta d theta. On va essayer de transformer. C'est, on est en face d'une intégrale normale maintenant. Voilà. Donc, on va réécrire sinus cube, on va décomposer sinus cube theta en sinus carré theta fois sinus theta. Donc, on aura un demi de l'intégrale de sinus au carré theta sinus theta d theta. Et on sait que sinus carré theta c'est 1 moins cosinus carré theta, donc on va transformer. Donc, 1 moins cosinus carré theta fois sinus theta d theta. Donc, on va distribuer sinus theta. Hein. On aura donc 1 demi de l'intégrale de sinus theta d theta moins 1 demi de l'intégrale de cosinus carré theta fois sinus theta d theta. Mais on sait que cosinus theta et sinus theta, si on prend cosinus theta comme une variable ici, cosinus carré theta, on sait que la dérivée de cosinus theta c'est moins sinus theta d theta. Donc, c'est moins sinus theta d theta. Voilà. Donc, si on remplace ces expressions, on aura que c'est si cosinus θ est une variable, donc c'est cosinus carré θ, par exemple, ce sera cette variable au carré fois d de cette variable. Donc, c'est très simple, on aura donc un demi de sinus cube θ dθ qui devient la primitive de sinus theta, c'est moins cosinus theta, donc moins un demi de cosinus theta. Voilà. Maintenant, comme on doit introduire un signe moins pour avoir moins sinus de theta d theta, donc le deuxième signe moins là devient plus. Voilà. Moins par moins plus. Donc on aura donc plus un demi fois cosinus cube sur 3, un tiers de cosinus cube theta, plus la constante. Voilà. C'est ce qui est devenu notre intégrale. Et notre intégrale est devenue juste de cosinus. Donc on va donc dire que c'est moins un demi de cosinus theta. Allons-y. Si on met cosine, un demi en moins un demi en facteur, cosinus theta, donc moins un tiers de cosinus cube theta sur 3. Donc un tiers de cosinus cube theta du moins. Voilà. Plus la constante. Mais on ne va pas trouver des résultats en θ, on nous a donné des x, donc on va devoir se retourner sur les x. Donc si on met le cosinus θ en facteur, on aura plutôt moins 1 demi de cosinus θ par 1 moins cosinus carré θ sur 3, plus la constante. Ok? Donc, on va revenir à ces valeurs de cosinus θ. On avait dit que sinus θ était égal à x au carré. Ok? Et donc, sinus carré θ était égal à
x quatre et cosinus carré theta donc qui est égal à m moins sinus carré theta et n'est autre que m moins x quatre. Et cosinus theta, dans ce cas, devient la racine de 1 moins x quadre. Donc, on remplace ça dans la valeur trouvée. Et donc, on obtient que l'intégrale qui était donnée au début, de x à la puissance 7, dx sur racine carrée de 1 moins x quadre, qui nous devient ici, moins 1/2 de cosinus theta qui est égal à racine carrée de 1 moins x4 facteur de 1 moins cosinus carré theta c'est 1 moins x4. Maintenant le tout se trouve. Voilà, plus la constante. Et on va faire des petites transformations pour vraiment réduire le deuxième terme au même dénominateur. Donc, ce qui nous revient, moins 1/2 de racine carrée de m moins x au 4, qui factorise 3, moins 1 plus x4, moins 1 plus x4, le tout sur 3. Voilà, plus la constante. Ça veut dire on sort le 3 maintenant, c'est-à-dire moins 1 sixième. Hein? Moins 1 sixième de racine carrée de 1 moins x4, qui factorise,3 moins 1, c'est 2, 2 plus x4, plus la constante. Voilà, on a notre résultat. Donc, finalement, on peut mettre en sommaire, hein, on va dire que notre résultat final, la primitive de x à la puissance 7, dx sur racine carrée de m moins x4 est égal à moins 1 sixième de racine carrée de m moins x4 facteur de 2 plus x au 4 à la puissance 4 plus la constante. Et c'est terminé. Merci pour avoir suivi. On verra d'autres techniques plus avancées. Le calcul intégral différentiel.